Eh oui, coucou les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Mister Ghost, une chaîne exclusivement Lego au 100% du jeu, comme d'habitude. Et bien entendu, j'espère que vous êtes bien installés, car derrière on est parti pour un nouveau gameplay sur Lego le Hobbit. Et j'en perds mes mots d'ailleurs. Et on va aller suivre ce petit bateau tranquillement. Le petit bateau qui nous fait traverser les ruines de je sais pas trop quoi. Mais on va aller voir ça tout de suite, hein, vous inquiétez pas. Car derrière, est-ce qu'on peut pas aller plus vite, hein, quand même? Non, non. Ouais, c'est doux, j'ai essayé au moins. Hein. Ça, on arrive devant la cabane, hein, ça c'est cool. Alors, on va pouvoir voir un peu ce que ça nous propose. Je peux pas aller récupérer les pièces. C'est vous, Bard? Oui, c'est moi. Désolé, mais on doit dégager l'entrée de la ville car un bateau de pêche doit bientôt arriver. Alors, à moins que vous n'ayez du poisson dans ces tonneaux, vous allez devoir attendre. Ok. Bon, alors, il faut que je fasse demi-tour. Avant que je me fais trucider là, parce que à mon avis je suis mal placé. D'accord, ok, les poissons sont là. On a vu le poisson. Est-ce que je peux faire marche arrière ou pas? Ah, je peux pas faire marche arrière. Je suis embêté. Tu peux essayer. Allez. Ah d'accord, ok, c'est. Bon bah c'est pas grave, on va faire le long tour. Je suis un peu mal barré, on va dire, hein. Et j'ai vraiment eu du mal à sortir en espérant que c'était que la première et la dernière manœuvre qu'on va pouvoir faire tranquille. Le triangle pour s'amarrer directement, hein, parce que bah... Ok, bon je le prends. Allez, allez. Ah non, c'est rond. Non. On prend le... Oh là, sérieux. Allez, prends-moi ça. Oh, voilà. Oula. Je sais pas ce qu'il nous fait, lui, hein. Mais non, prends-la, sérieux. Pourquoi tu me la jettes, sérieux? T'es affolant, le truc. Ah, ou faut peut-être se mettre juste sur le côté. Et il n'y a plus qu'une fois. D'accord, ok. Mais, là, j'ai appuyé, sérieux. J'ai appuyé là où tu m'avais dit, hein. Bon bah, on va refaire une troisième fois, c'est pas grave. Allez. Vas-y, hop, tu vas. Tu me le mets. D'accord, ok. Donc là, il faut que j'appuie plusieurs fois. D'accord, ok. Et là, il me l'a pas chopé, oui. Allez, c'est bon, on y va, on continue. On a l'espoir, on a beaucoup l'espoir. Alors, le triangle. Voilà. Je sais pas que je vais, sérieux, les amis. Ah bah tiens, justement, on a un machin qui se balade là-bas. J'ai du poisson maintenant, tu peux me laisser passer? Non? Ah, bonjour. Oui, bonjour. C'est le poisson qu'on attendait? Oui. Excellent. Mais tu me vois pas, tu me vois pas, tu me vois pas. Tu me vois pas. Tu te caches. Voilà, c'est cool. On va pouvoir y arriver. Après s'être introduit dans Esgaroth, les aventuriers sans armes devaient se procurer le matériel et les vivres dont ils étaient privés depuis leur capture par les elfes. Ok. Tiens, même pièce. T'as aussi le poisson, mais qui t'a fait tomber. Nous avons payé pour des armes. Des armes forgées, des épées, des haches qui vont payer. Vraiment, vous trouvez ça? Et une fois. Vous ne trouverez pas mieux si ce n'est dans l'armurerie de la ville. Les armes forgées y sont gardées sous clé. Ok, bon bah je crois que. Ça va être notre prochain rendez-vous, mes amis. Mais ils sont heureux. Ah non, mais bizarre tout le monde. Ok, bon bah... Ah bah, lui, fait. Lui, il a une massue qui nous plaît. Alors, je lui ai déjà tout cassé pour faire un peu...
Je sais, mes amis, ça va être un peu long. Ah tiens, regardez, vous avez vu que je suis pas venu pour rien? Oh, ça marche pas? Comment je fais, moi? Ouais, ça a pas l'air de fonctionner, hein, si ça. Et toi, peut-être, non? Non, ça a pas l'air de fonctionner. Dommage. Ah, y'a un mini kit là-bas, regardez, mes amis, et j'ai une cible. Mais pourquoi y attendre? Je ne pense pas. Oh bah... Hop, voilà, le rond. Je change de personnage. Tu veux monter, ouais. Voilà. Le... Ah bah tiens, justement, il m'en fallait un troisième. Et bon, pour... Bah, prendre le dernier. J'ai pas le choix. Il me faut prendre le dernier. Allez, saute, mon grand. Ah bah, voilà. Une arc-lance de nain. C'est quoi ça? Seule une flèche noire tirée par une arc-lance pouvait transpercer ses écailles. Le jour où Smaug a détruit Dale. Si les hommes ce jour-là avaient atteint leur cible, ça aurait changé bien des choses. Mais avec des cires, on fait le monde, mon grand. Nous avons les armes, nous filons vers la montagne. C'était le ton destin. Eh oui, c'était ton destin. Bon, alors moi, ce que je vais faire, je vais déjà te placer un peu. Si je peux pas récupérer quelques petits trucs, hein. Ouais, ça a l'air d'être bon, quand même, hein. Ouais. Alors, on va continuer. On va faire le vide. Voilà, comme ça, moi, j'ai de l'espace. J'ai de l'espace, beaucoup d'espace, et j'ai quelque chose à construire. Ah, d'accord, ok, c'est la place. C'est pour moi, autant pour moi. Et je vais prendre les pièces aussi, non? Carré. Ah, bah voilà, là c'est ce qui me plaît quand même. Ouais, tu peux voir, hein. Ça va, il va jusqu'au fond, hein, quand même. Ouais, nickel. Pièce bleue, voilà. Je vais le prendre, je sais pas ce que c'est, mais je vais le prendre. Oh! Ah, d'accord, ok. Il faut tapoter sur le petit rond. Pour ouvrir le feu! T'es cool! Maintenant j'ai. Bah j'ai la lumière donc ça devrait être bon, hein! Et ça maintenant ça doit être ici! Rond? Forme cramée, ça serait bien! Attends, j'ai déjà. Casse-moi tout ça! Non! Sors de là! Sors de là! Sans te cramer les puces! Bah non, je devrais le prendre! Bah c'est qui veut prendre ça? Ah bah voilà, c'était lui. Je veux dire. Et j'ai vraiment du mal hein, en ce moment. Est-ce que je peux passer par eux? Bon. J'ai déjà des gardes qui sont là. Alors, là ici. Boum, 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 boum. Voilà, c'est ce qui s'appelle faire du détail. On va tout casser maintenant le petit restant hein, qui pourrait me donner des planches en bois. Ça peut servir, vous inquiétez pas. Je pense que même que ça va servir si le jeu me donne le temps. Ça va servir. Voilà, il en est bon ici. Sans tomber dans la forêt, ça serait bien. Ça m'arrangerait. Bah regardez. J'ai vu quelque chose. Construction. Construction. Bah voilà. Petite construction qu'on va pouvoir gagner des petits sous-sous encore. Oh c'est cool. Est-ce que j'ai tout déjà? Il y a l'air que j'ai tout. Des planches, il m'en faut 4, et des cordes, une, et de la roche, une. Et je suis déjà bien blindé quand même, hein. Le bain, c'est bien bio. Alors, qu'est-ce qu'on doit récupérer et à construire, d'ailleurs, pour céder. Un rond fort, nickel. Une plaque, ça doit être ça. Oui. Alors, la suite qui nous donne... C'est quoi, ça? Eh ben non, c'est pas ça. C'est juste celle-là. Mais, il y a... Ah bah j'ai fait à l'inverse, c'est cool. Ça doit être ça. Non? Ouais. Impeccable. Et nous avons... On dirait une sorte de catapulte. Non, me trompe. Il me faut ça. Et bah le bouton. Le bouton et... Et tout là, oh. Non? Bon, pas tout à fait. Hein. On n'est même pas tout à fait. Bon. Ah bah voilà quand même, bon, de 20 000 mètres constructeurs, bon, bon succès les amis, c'est cool quand même, non? Bah je crois que, ben, bah, toi tu vas y aller, hein, t'es parti. Frappe.
Alors, il fallait juste frapper pour dégager la flèche. C'est cool. Bon, alors, ici maintenant, qu'est-ce qu'on a là? Bon, c'était pas ce que je voulais faire, mais bon. Bah voilà, ça me plaît. Eh ben voilà. J'ai récupéré quand même 2 armes sur 5, hein. Eh, c'est déjà pas mal, mes amis. D'accord, ok. Bon, on va récupérer encore des points, ça. Ça a l'air d'être bon. Voilà, eh, c'est bon, c'est bon. Attends, il me faut... Toi, non, tu sais pas le faire. Bah si, normalement, tout. Qu'est-ce que tu fais? Allez, carré. Remalancement, encore un petit carré. Un carré, j'ai dit. Oui. C'est bon. Allez, vas-y, prends-le-moi. Eh ben, monsieur, maintenant, elles sont bouclées. Il me reste plus que 2 armes à récupérer. Encore. Allez. Oh. Attends. J'en ai encore un ici. Bien sûr. D'accord. Ok. Donc, c'est bon. Et le carré pour détruire. C'est mûr. Non. On va construire, hein. Je vois qu'on a quelque chose en hauteur. Quoi? Je sais pas, mais on a quelque chose. Et ça, c'est quoi alors? Attends, il y a un truc tourné. Ça peut servir. Ou pas. Mais bon. Oh. D'accord, ok, c'est une base de construction pour le rond. Qu'est-ce qui me fait ça? C'est toi? Ah bah oui, c'est toi. Donc c'est bon, c'est nickel, moi je vais pouvoir faire celui-là, et je vais pouvoir faire le deuxième qui va de l'autre côté. Avant de m'occuper des... Allez, lâchez-moi la cinématique. Voilà. Allez, montez. Je vous attends à Crash. Qui s'appelle les accueillir en grande pompe. Et ça c'est quoi là? Hop. Oh. Hey, j'ai... Hey, regardez mes amis. Juste en haut. Regardez en haut. On a notre premier panneau, je sais pas trop quoi. De ce qu'on a de tous les succès là. Ah bah hey, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Voilà. Et bah il m'a trouvé son arc. Hein. Tranquille. Bah, comment on fait maintenant pour aller là-dessus? À mon avis, il y a quelque chose à faire. Encore. Voilà, hop, ça c'est bon. Est-ce que je peux sauter? Ah bah voilà, j'ai eu peur. Sauter. Et une autre pièce bleue qui va m'a... Eh ben justement, il fallait impérativement faire... Voilà, c'est bon tout ça, c'est bon. On va récupérer. Est-ce qu'on peut passer au-dessus? Non, on peut pas passer. Dommage. Mais on va bien savoir comment on fait moi pour aller de l'autre côté, tiens. Bah c'est pas grave, on va voir après pour la suite ce que ça va nous proposer, hein. Car derrière, je pense que... C'est bien ça. Allez, allez, attention, mais, ouais, mais non, mais reprends-le quand même. Oh là. Ah, c'était pas prévu, hein. Quelle est la raison de ce raffut? Ils volaient des armes, messire. Nous sommes les nains d'Erebor. Nous sommes là pour reprendre notre terre. La mort! C'est tout ce que vous allez nous apporter. Avez-vous oublié ce qui s'est passé à Dale? Il ne faut pas oublier que c'est Girion, seigneur de Dale, votre propre ancêtre, qui n'a pas réussi à tuer la bête. Girion a touché le dragon et délogé une écaille sous son aile gauche. Un dernier tir et il aurait tué la bête. Ça, c'est un conte pour enfants. Voulez-vous partager les immenses richesses de notre peuple? Que dites-vous? Je vous dis solennellement. Bienvenue! Roi sous la montagne! Et que votre retour nous comble tous de bienfaits! Pas toi, tu nous rejoindras quand tu seras guéri. Je reste avec lui. C'est Killy. Il est malade. Non! J'en ai fini avec vous. Allez-vous-en. Il me faut des herbes. Vous auriez de la faim des rois. C'est de la mauvaise herbe. On la donne aux porcs. Très bien. Mais c'est pas grave. Est-ce que toi tu l'as par contre?
Non, t'as pas ça. Ah non, il y a des haches. Alors, qu'est-ce que tu viens de me dire? Bon, c'est pas grave. Du poisson maintenant, récupère. Alors, ici. Ah, y'a rien à voir d'intéressant. Je vois un truc vert là. Alors, quelques étages. Alors, du poisson, on va récupérer là. Hein. Hop. Ah, d'accord, ok. Donc, ça, c'est un mini kit 1 sur 5. Ok. Et on a une petite sauvegarde qu'on va faire d'ailleurs. Sauvegarder et continuer. Non, ne vous inquiétez pas, on va continuer. Qu'est-ce que c'est ça ici? Nous avons une petite échelle. J'ai eu peur à un moment donné, je pensais que c'était pas ça. Je vais quand même prendre les pièces. Hein. Hop, par ici, mon ami, et on va aller. Voilà, je pense qu'il va falloir avancer maintenant, les grands. Hein. Voilà. Tu peux monter ou pas? Eh ben, il peut monter, les amis. Eh ben Bruno, qu'est-ce qu'on a ici? À mon avis, il faut... Non, pas taper dessus, il faut tourner. Eh ben voilà. Le cochon est au milieu, hein. Je sais pas si vous avez vu au milieu de l'écran. Eh ben, nous avons débloqué une chèvre. D'accord, ok. Donc là, il faut... Ah ben, il l'a, lui. C'est cool, on va pouvoir un peu maintenant... Est-ce que je peux rester appuyé dessus? C'est cool. Ça serait marrant, j'aurais. Voilà. Et maintenant, il faut tapoter. Non, 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 il faut tapoter. On peut pas rester appuyé dessus. Je voulais savoir si on pouvait rester, mais non. Eh ben, voilà, la chèvre de démonter. Mais elle était pas au milieu, le cochon, hein. Mais il est où, mon cochon? Cochon! 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 Attends, il y a du poisson, là. Je vais récupérer le poisson, hein, quand même. Non? Encore du poisson? Allez, on y va pour une petite portion de poisson. Eh, c'est cool quand même, hein. Alors, ici, qu'est-ce que je dois faire? D'accord. D'accord, ok. Donc, il fallait tirer sur... Si j'en prends un autre. Ah bah, de toute façon, il faut en prendre un autre pour viser de l'autre côté. Ok. Il fallait le savoir. Tu me le donnes ou pas? Kai. Kai. X, X, X. Voilà. Et après, bah, il faut prendre les instructions, donc on fait le rond. Bon, voilà, s'il te plaît. Nous allons avoir notre petit... Non, même pas. Nous avons directement notre cinématique parce qu'on a récupéré la fleur, la bouffe du cochon. Bah, les petits méchants, ceux qui mangent. Eh oui. Allez. Bande de loubert. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh. D'accord. Ok. Ils sont méchants quand même, hein. Je crois qu'il n'y a plus méchant. Et que le chien est parti. Et nous avons les deux elfes. Oh, il va rentrer les ouais. Il va pas pouvoir rentrer, pardon. Trop dangereux, mon ami, il doit avoir une femme. Allez! Faut jamais déranger une femme à la cuisine. Jamais! Je l'avais dit que c'était une femme. Nous allons le perdre! Atlas. Qu'est-ce que vous faites? Je vais le sauver. Maintenez-le. De la magie elfique, barrez-vous. Ou barrons-nous. Eh ben ça va, il est en pleine forme maintenant, mon petit. Un petit coco. Toriel, venez. Ok. Donc il laisse les nains comme ça au milieu, lui, hein. On va pas se taper, on va pas attaquer, bah si on va attaquer, hein. Allez, vas-y. Hop, voilà, ça c'est bon, on y va. Allez, vas-y. Il m'en reste que 5 à tuer encore, hein. Bon, maintenant, prête. Voilà, ça c'est bon.
Je vais récupérer ça quand même, hein. On ne sait jamais. Ça peut servir encore, hein. Car d'ailleurs, j'aurais bien envie d'essayer. Hey, j'ai du cochon. J'ai du cochon. Hop, hop, par ici. Hop, 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 hop. X, X, X. Voilà. On va voir le carré. Carré, 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 carré. Et je peux tirer. Pour le faire un peu tomber, non? Dans la flotte. Ah, dommage. Eh, reviens. Ah, par contre, j'aurais bien voulu avoir un arme. Ça aurait été cool, comme. Pour voir un peu ce qu'il y avait de l'autre côté. D'accord. Ok. D'accord, ok, là je suis tombé maintenant. Est-ce que maintenant... Ah bah voilà. Ah, j'ai eu peur, je pensais que j'allais tomber une deuxième fois ici. Ah bah voilà. Allez c'est bon, on y va, on va faire le deuxième direct. Si on pourrait attaquer directement. Ouais. Je récupère mes cuisses de poulet hein, quand même. Désolé non, mais... Ah bah j'ai eu peur, je pensais que j'aurais pas réussi. Carré. Voilà, hop. Et si... Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On y va, on continue, il faut le choper quand même. Hein. Si j'arrive à le choper, qu'est-ce qu'il y a? Eh bah, maître cambrioleur. Tous mes amis, nous avons réussi à faire le maître cambrioleur, ça c'est cool. Par contre, j'ai toujours pas de... Non, j'ai pas. Allez, vas-y. Eh ben non. Et... Carré, voilà, le petit carré qui va faire bien. Le X... Ah non, le Ré. Le Ré. Oh, voilà. J'aime quand ça fait... Le... Ah, le... Dommage. X, X. Voilà. Je me suis trompé dans mes touches. Ça arrive, les amis, ça arrive. Le carré pour finir. Allez, vas-y, je te finis maintenant. Non, j'ai dit que je te finissais. C'était pas toi qui devais me finir. Et il fait quoi, lui? Mais non, il s'en va. Oh, tu peux rigoler. Bon, et... toi, t'as pas une arme par là? Non, y a pas la... pas d'arc. Oula, faut pas... voilà, hop, ah, c'est bien, c'est qu'ils sautent, ou quand même, hein, les elfes. C'est bon? Lui, dites-moi que j'ai pas besoin de guider. Ouf, j'ai pas besoin de guider. Mais, bon, je vais prendre la femme maintenant, je vais prendre le Ariel, hein. Voilà, hop, ça c'est bon. Et j'ai peut-être le troisième qui va arriver, là. Non, pas besoin. Faut que je vienne, c'est ça? Allez! Allez! Mais! Bon bah tant pis, hein. À mon avis t'as besoin. Toi t'as bugué. Allez! Ah bah d'accord, ok, je suis mort. Allez! Ah t'as bugué sans eux! Ah, X, voilà, alors Ariel, c'est bon, elle s'est réveillée tranquillement. Le rond, voilà, du petit rond. Et le carré. Et c'est bon, je te tue maintenant. Hop, rond, bim, bim, boum, boum. Encore? Ah non, j'ai eu peur. Ah, mais tu peux... Les gars-là, c'est brûlé dans le bateau. Ah non, donc, bah, il se prend tout. Les poissons, les enclumes. le phénomène. Le phénomène, mes amis. Franchement, c'est abusé ce qu'il m'a fait. Honteux. Honteux, honteux, honteux. L'heure des comptes a sonné. Tous à la flotte. Papa ? Le feu du dragon et ses ravages. Mais le dragon va nous tuer. Pas si je le tue avant. Une flèche noire? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Parce que tu n'avais pas le savoir. Le voilà, Bard! Cache-la bien,
que personne ne la trouve. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas fini notre gameplay, mais... Je vous arrête. Pour quel motif? Le motif que le maître choisira. Eh ben, je crois qu'on va avoir une petite séance de course poursuite. Hein. Ou pas. Ah non, pense pas. Ouh, ça fait mal, mes amis. Et maintenant, on n'aura pas notre petite séance de poursuite, mais nous avons fini ce gameplay à un accueil chaleureux. Et nous avons aussi débloqué le jeu libre. Et encore pas mal de personnages hein, qui nous plaît bien. Ouais bah, il y en a beaucoup, hein, mes amis. Donc, le 100% a été fait, mes amis, bien sûr. Donc, on a récupéré un 100% maître cambrioleur, quand même, faut pas l'oublier. Le mini-kit, on en a vu pas mal, mais aucun accès qu'on pouvait récupérer. Et nous allons essayer de découvrir un petit peu ce qui nous a débloqué au milieu de Escarot. Et 2, 3 points, et pas mal, pas mal. Oui, j'ai appuyé sur la touche pour aller un peu plus vite. Donc, ça nous fait quand même 4... non, 2 briques mitri. Eh oui, mes amis, malheureusement, c'est la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu avec le petit commentaire, ça me ferait plaisir énormément. Si vous avez, vous n'êtes pas abonné, pardon, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche qui va avec. Mais pour l'instant, moi, je vais vous laisser en très bonne compagnie du prochain gameplay. Je vous dis à ciao et à la prochaine fois. Bye. C'est vous! Pourquoi suis-je ici, Gandalf? C'est un drôle d'endroit pour une rencontre. Croyez-moi, Radagast, je ne vous aurais pas fait venir ici sans une bonne raison. Si notre ennemi est revenu, il faut que nous le sachions. Allez au tombeau dans les montagnes. Démon du Rudor.